Bonjour. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Ça va? Non, ne vous inquiétez pas, ça va très bien. Je vous ai vraiment pas fait mal, hein? Non, vous inquiétez pas, ça va. Excusez-moi vous en faites encore, pas, hein. Vous n'en faites pas. Allez prendre un verre au bar là-bas. Merci. Oh. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Pardon. Oh, bah dis donc, il n'a pas l'air très doué, celui-là. Ça, tu peux le dire, hein? Bonjour. Bonjour, bienvenue au club. Moi, c'est Mou. Et toi, c'est comment? Ella. 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 Et qu'est-ce qu'elle a dans ses bagages? Tu devrais en trouver une autre parce qu'on me l'a déjà faite, celle-là. Oui. Bon, bah, Ella, Ella, Ella. Elle a du charme. Elle a de l'élégance. Elle a volé mon cœur. Ah, elle est pas mal, celle-là. Tu as marqué un point, Mou. Bon, tu m'emmènes à mon bungalow? Je n'arrive plus à porter mes valises. Tout de suite? D'accord, c'est très bien. J'ai hâte de commencer mes vacances. Ah bah tu vas pas être déçu, hein. Tu vas voir, tes vacances, ça va être super. Je suis sur un coup. Allez, salut, moi c'est Bob. Et toi? Evelyne, salut. Oh, excuse-moi. T'as une de ses forces, toi? Je suis désolée, Bob. Je fais du bodybuilding et à des moments, je contrôle pas ma force. Ah d'accord, tu fais de la musculation. C'est génial, champion, hein. Bon, j'aime bien les femmes musclées. Je vais t'aider à porter tes valises jusqu'à ton bungalow. Ouais, si tu veux. Hein? Attends, mais qu'est-ce que tu mets là-dedans? J'arrivais même pas à les soulever. Des vêtements et quelques haltères. Des haltères? Mais on en a ici des haltères, nous. Je sais, mais je ne me sépare jamais des miens, par superstition. C'est grâce à eux que je suis devenue championne régionale de bodybuilding. Ah, d'accord. Et de quelle région viens-tu? De Longjumeau. De Longjumeau? C'est pas possible, mais moi aussi je suis de Longjumeau. C'est vrai? C'est génial, ça. Oh, non, quelle coïncidence. Non? Enfin, c'est quand même curieux que je t'ai pas vu à Longjumeau. Oh, mais tu travailles où? Je suis caissière au supermarché, tu sais, le grand sur le parking. Le grand sur le parking, près de la gare. Oh non, c'est dingue, t'es de Longjumeau, toi. Ouais. Oh non, c'est marrant, c'est un petit coup de nostalgie, là, comme ça. C'est bête, hein. Oh, dis donc. Bon, je vais te montrer où est ton bungalow. Ouais. Tu prends tes valises, parce que alors là, moi, je... Hein. Ouais, allez, allons-y. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, je crois que vous travaillez ici, puisque c'est vous qui accueillez les clients. Oui, je suis Annie Girard, la directrice. Et voici Brigitte, mon assistante. Nous pouvons peut-être faire quelque chose pour vous? Oui, je trouve que c'est inadmissible que personne ne me propose de cocktail. Ah ben... Je m'en occupe, Agnès. Oui, hein. Oui. Bonjour, moi c'est Pat. Moi c'est Tom. Eh bien, je crois que le problème est réglé. Oui, merci. Problème? Il y avait un problème? Non, plus maintenant. Enfin... Oh, ça fait quand même plaisir de voir que vous, au moins, vous m'avez reconnue. Ah ben, alors, ouais. Bien sûr, ouais. Tu es... Oui, c'est moi. Ouais. Alice. Ça alors, en chair et en os, c'est vrai, Alice. Oui. Oh, vous voulez bien porter mes valises? Il y en a quatre. Ah ouais. Quatre? Oui. Pour une semaine? Oui, je sais, c'est un peu juste. Mais j'ai pris le strict minimum. Non. C'est pas... Ah ben tiens. Les préservatifs. Je crois que je les avais oubliés. Bonjour, cher monsieur. Vous avez appelé la réception. Vous avez un problème? S'il y en avait qu'un. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez, je suis vraiment désolé, mais... Je suis un peu monsieur catastrophe dans le genre, vous voyez? Comment vous avez fait ça? Bêtement, j'ai tiré. Et le tiroir? Là aussi, j'ai tiré, c'est tout. Oh. Donc? En fait, si je vous ai fait venir, c'est parce que tout à l'heure... J'ai voulu mettre en marche le climatiseur et le bouton m'est resté dans la main. Faites donc voir.
Oh, ben oui, non, mais ce n'est rien, ça. Je vais aller vous en chercher un autre tout de suite. Ce sont des choses qui arrivent. Pour le reste, par contre, ça demandera un peu plus longtemps, le temps de réparer. Ah, ouais, c'est pas grave. Prenez votre temps, de toute façon, il faut que je remette tout ça dans la valise, alors. Excusez-moi, vous êtes toujours comme ça? Ah, si vous saviez. J'en rate pas une. Je suis le roi des gaffeurs. Et le pire, c'est avec les femmes. Ah bon? Ah oui. C'est terrible, monsieur... Monsieur? Michaud, Norbert Michaud, à votre service. Monsieur Michaud, moi, les femmes, je les broie, je les casse, je les exaspère. Et enfin, je crois que je sais absolument pas me servir d'une femme. Ah bon? Écoute, c'est une image, mais... Mais moi, avec les femmes, je perds tous mes moyens. Alors forcément, je fais des gaffes, et puis après, ben... Elles peuvent plus me voir, quoi, vous comprenez? Je vois. Bon, ben, je vais aller vous chercher ce bouton de climatiseur, n'est-ce pas? Merci, c'est gentil. Et soyez prudent. Ah oui, c'est promis. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans mon... Oh, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il y a une tornade ici. Non, c'est rien du tout, c'est juste à cause de... À cause d'un courant d'air. Mais nous allons réparer ça tout de suite. Je suis tout de même désolé, mademoiselle, mais je crois que vous vous êtes trompée de bungalow. C'est le bungalow de monsieur. Oh, mais non, pas du tout. Je vous dis que c'est mon bungalow. J'avais demandé exprès le numéro 13. Moi, ça me porte bonheur. Mais le 13, mais bien sûr, mais je comprends maintenant. Est-ce que je pourrais voir votre réservation? Il y a sûrement une petite erreur quelque part. Quoi? Vous ne me croyez pas? Oh, non, mais c'est honteux. Vous savez pas qui je suis? Je vous crois, mademoiselle, mais je voudrais simplement vérifier. Vous savez, l'erreur est humaine. Oui, excusez-moi, c'est bien votre bungalow, mademoiselle. Mais je sais, j'ai toujours raison. C'est ce que je vous disais, monsieur Michaud, le roi des gaffeurs. Bon, eh ben moi, je vais aller faire le tour des lieux pendant que vous faites de l'or pour que je puisse m'y installer. Merci, les garçons. Il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir. Au fait, dites-moi, ça vous dérange pas de tout mettre sur les cintres? Parce que j'ai pas du tout envie que mes vêtements soient froissés. Oui. Merci. Mais c'est qui cette furie? Je sais pas. Sur sa réservation, j'ai vu écrit Alice Larose. Vous connaissez, vous? Non, justement, quand même. Moi non plus. Hein. Bon, ben maintenant, je vais aller dans mon bungalow. Le 18. C'était les boucles du 8 qui étaient mal faites. Quand je vous dis que ça arrive qu'à moi, hein? Regardez. Qui c'est cette folle? Je ne sais pas moi, Alice Larose, une actrice de cinéma. Je ne sais rien moi. Non, 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 on la connaîtrait. Qu'est-ce qui t'arrive, mon? Oh là là là, ce que j'ai pris. Et qui c'est qui t'a fait ça? Alice. Elle a pas le plus. Alice Larose? Les filles de Bungalow 13. Alors, je l'ai croisée, elle voulait visiter le club. Alors moi, pour être gentil, je lui vais faire le tour du propriétaire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle me demandait tout d'un coup si je trouvais qu'elle avait du talent. Du talent? Et pourquoi faire? Justement, j'en sais rien. Ben, je lui ai dit que je ne savais pas, que ça dépendait pourquoi faire. Et là, elle s'est énervée. Et elle m'a demandé si je l'avais reconnue. Mais t'es d'un nom. Quoi? T'as dit non? Oui, j'ai dit non. Je sais pas qui elle est, moi. Et pour plaisanter, je lui ai dit que je l'avais reconnue et que je l'avais vue dans un film érotique. Ah oui, dans ce cas-là, c'est à ce moment-là que... Oui. Vlant, dans la figure. Oui, vlant dans la figure. Et avec beaucoup de talent, Pat. Bah alors, tu sais qui c'est maintenant? Non, toujours pas. Alors, t'as pris une gifle. Pour rien. Oui, et vous aviez raison. C'est une véritable furie, cette fille. Ça va, les copains? Bon, il s'est pris une gifle. Déjà? Tu veux faire trop vite avec les filles, Mou? Faut leur laisser le temps de s'installer. Oui, mais c'est pas celle-là qui m'a giflé, Bob. Tom, tu peux lui expliquer, s'il te plaît? Bah, c'est Alice Larose. Une inconnue qui se prend pour une star. Oui, voilà. Personne n'a l'air de la reconnaître, et puis, bon, elle s'est vexée. Alice Larose? Bon, j'ai jamais entendu parler. Enfin bon, c'est pas si grave, hein, ça met les idées en place. Mais toi, je te connais.
Tu vas te venger. Non, non, non. Surtout pas. Je vais tout faire pour éviter de la croiser, celle-là. Je comprends. Mmh. Bon, Tom, j'ai besoin de toi, faut que tu m'entraînes. J'ai besoin de faire du sport, je me sens un petit peu faible en ce moment, j'ai un peu forcé sur les desserts. Tiens, regarde, j'ai même des bourrelets. C'est quand même pas trop dramatique, hein. Ah, non, mais je t'assure, j'ai plus d'abdos. Alors faut que je fasse un peu de musculation. Tu viens m'entraîner? Bah, si tu veux, on peut commencer demain, hein. Tu peux suivre les cours collectifs? Ah, non, 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 mais pas question, non, non, mais c'est pas possible ça. J'ai pas une minute à perdre, hein. Faut commencer tout de suite. Bah. Tout de suite? Oui, faut que je me muscle tout de suite, faut que je sois très vite opérationnel. Opérationnel, Bob? Oui, opérationnel. Bon. Bon, je vous explique. Mm. Est-ce que vous avez vu la fille avec qui je discutais tout à l'heure au cocktail? Ouais, vaguement, ouais. Elle est de Longjumeau. Longjumeau? De Longjumeau, quoi, elle est chez moi. Ah, c'est super, non? C'est génial, Bob, super. Bon, quand je vais vous la présenter, vous allez craquer. Vous avez remarqué qu'elle avait une super silhouette? Oui. Oui, elle est costaud. Costaud, si vous voulez. Enfin, moi, j'aime bien, hein. Cette fille-là, elle fait du bodybuilding. Elle est musclée, je vous raconte pas. Elle a failli me casser la main quand elle me l'a serrée. Elle est en béton. Alors si je veux que ça marche, j'ai intérêt à être à la hauteur. Bob, on peut pas avoir de muscles à une journée. T'es sûr? Même si je travaille beaucoup? Bob, je suis sûr. Ah bon, sûr? Bon, bah écoute, je vais lui dire que je suis champion de ping-pong. Hein? Bah, il faut bien que je me valorise, hein, si je veux marquer des points. Oui, Agnès, excusez-moi, mademoiselle Larose. Non, mais enfin, laissez-moi passer. C'est absolument que je vous parle, madame Gérard. Ben, je vous en prie, asseyez-vous. Non, j'ai pas le temps de m'asseoir. Je suis pas venue ici pour rester enfermée dans un bureau. Je vous écoute. Alors voilà, un de vos animateurs s'est conduit de manière, mais de manière lamentable avec moi. Oui, Agnès, mademoiselle Larose a mis des mots avec moi. Avec vous? Écoutez, d'habitude, c'est un garçon très bien élevé. Oui, bien sûr. Il m'a dit qu'il m'avait vu dans un film érotique. Moi, Alice Larose. Oui, non. Là, c'est vrai qu'on ne vous imaginait absolument pas dans ce genre de film. Bah, vous voyez, vous me donnez raison. Ah, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bah, c'est pour ça que je l'ai giflé. Ah. Non, mais vous vous rendez compte, il avait pas l'air de savoir qui j'étais. Ah oui, quelle horreur. Quelle horreur. Bien, bah, écoutez, je vous fais toutes mes excuses et je vous promets que cela ne se reproduira plus. Eh bien, je vous remercie. Je vais aller dans mon bungalow. J'espère que cette fois-ci, tout est en ordre. Ah, parce que votre bungalow était en désordre? Oui, plutôt. Une espèce de fou qui s'était trompé de numéro de bungalow et qui avait tout cassé. C'est quoi, cette histoire, monsieur Michaud? Non, rien, Agnès, je vais tout arranger maintenant. Ah, enfin une bonne nouvelle. Eh ben, je vais rejoindre mes appartements. Et bonne journée, hein. Et bonnes vacances. Alors, monsieur Michaud, pouvez-vous éclairer ma lanterne? C'est qui, là? C'est Alice Larose. Eh bien, apparemment, c'est une jeune chanteuse qui vient de faire un tube. C'est la barmette qui m'en a parlé. Vous savez qu'elle est très branchée de musique. Ah mais oui, ça me revient. C'est celle qui chante... Nous deux sur la plage. À mon avis, nous deux, elle ne doit pas le faire que sur la plage. Que voulez-vous dire par là, Norbert? Nous venons de recevoir un fax. Il est arrivé à mon bureau. Ça vient du cabinet du président. Du président de la République? Non, vous êtes idiot. Du président de notre société. Tenez. Mais attendez, le président, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec la rose? À mon avis, il a déjà dû voir pas mal de choses de cette demoiselle. Tenez. Chère Agnès, je vous demande de vous occuper de mademoiselle Larose avec la plus grande attention. C'est une personne qui m'est très chère. Sincère salutation, blablabla. Ben, je vois que notre président n'a pas été insensible au charme de mademoiselle Larose. Ah ben, dis donc, il va falloir prévenir les garçons, hein. Faut plus qu'ils fassent de gaffe. Je m'en occupe tout de suite, Agnès. Merci, Norbert. Oh, Valérie, vous avez retrouvé votre bungalow? Ben non, justement. Il y a un problème, on a le même numéro de bungalow. Oui. Aïe, mais c'est pas possible, ça fait trois fois depuis tout à l'heure. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Oh, vous savez dire que ça, alors. Oui, monsieur Michaud, à force de faire des bêtises, je deviens exaspérant. Mais non, mais non. Venez, on va s'occuper de ça avec Brigitte. C'est elle qui s'occupe du planning.
Tiens, salut, Bob. Dis donc, t'as pas trop chaud comme ça en plein soleil? Non, c'est bien pour transpirer. Tu comprends? Il faut que je sèche mes muscles. Il faut que tu sèches... Ah bah oui, oui, bien sûr, oui. Je comprends. Dis-moi, je voulais te demander si tu voulais pas faire une petite partie de ping-pong avec moi. Parce que si toi, c'est la musculation. Moi, tu vois, ça serait plutôt le ping-pong, tu vois. Ouais, si tu veux, ouais. Mais avant, tu vas soulever un peu de fonte avec moi. Attends, moi, soulever ça? Ouais. Tu comprends? J'aime bien que non, mais des biceps quand il me prend dans ses bras. Ah ouais? Ah ouais. Allez, allonge-toi, là. Et prends la barre de 30 kilos, la rouge. Ah ouais. 30 kilos, rouge. 30 kilos, rouge. Ah, 30 kilos, facile. 30 kilos, tu la marques. Hey, 30 kilos, 30 kilos. Ah, oh, hé, hey, bah dis donc, c'est pas évident quand même comme truc, là. Mais si. Ça va venir, allez. Merci. Mais c'est Paula! 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 Paula, c'est bien toi, non? Celui qu'on appelait la montagne sacrée, tu me reconnais pas? Mais ça alors, Evelyne, c'est toi? Ouais! C'est qu'on surnommait la grenouille magique? Ouais, tu te souviens, à cause de mes cuisses musclées! Tu plaisantes, tu sautais les mieux que tout le monde! Ouais, t'as pas changé depuis l'école de sport, hein? Bon, et ouais, qu'est-ce que je fais, moi, pendant ce temps-là, alors? Tu continues pendant 20 minutes, Bob. 20 minutes. Je vais faire un tour avec Polo et je reviens. Ouais. Et surtout que personne ne touche à mes haltères, hein, je te les confie. Bon, d'accord. 20 minutes, hein? Pas de problème, facile. Mais Bob, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, vous voyez, je suis en train de soulever 30 kilos, une petite vingtaine de minutes. Ah, ben moi aussi, ça me ferait du bien, peut-être. Je vais essayer, tiens. Non, ça, tu laisses ça tranquille, ça c'est Zeta d'Evelyne, elle veut pas qu'on y touche, par superstition. Et toi, qu'est-ce que t'es en train de faire? Non, moi c'est pas pareil, elle veut que je me muscle les biceps pour quand je la prendrai dans mes bras. Ouais, elle est passée où? Eh ben, elle est partie par là, elle a rencontré Polo, un grand baraquet, elle l'appelle la montagne sacrée, je sais pas. Tu crois pas que tu vas avoir trop chaud là en plein soleil? Non, c'est pas grave, parce que s'il fait chaud, tant mieux, comme ça je me sèche les muscles. Ah, ouais. Il faudrait déjà qu'il y ait des muscles. Oui, alors ça va, ouais. Bon, si c'est comme ça, vous pouvez partir. Allez, bon, s'il te plaît, viens avec nous, arrête, tu vas avoir une crise cardiaque. Non, Evelyne m'a dit 20 minutes, 20 minutes c'est 20 minutes, allez. Bon bah, tant pis pour toi, Bob. Ouais, c'est ça. Bah, salut. Salut, hein. Ouais, salut. Bon courage salut. Et puis. Merci pour ciao. Ouais, ciao. Salut, Bob. Hein. Salut. On est là, Norbert. Oh, fidèle au poste, comme d'habitude. Oui, on attend les clients décelés. Oui, je vois. Bon, il fallait que je vous prévienne après ce qui s'est passé avec mademoiselle Alice Larose. Ah, la furie. Il faut être très aimable avec mademoiselle Larose. C'est une amie de notre président. Il a envoyé un fax lui demandant de la tromper. Waouh, c'est pas vrai. Mais c'est qui cette nana au juste? Une chanteuse qui chante. Ah, ces trucs-là? Quelle horreur, c'est sûr. On sait pas de porter ce genre de jugement, mon petit homme. Cette jeune femme est une protégée du président. Alors on évite les scandales, hein? C'est Agnès qui m'a envoyé vous le dire. Si c'est Agnès, alors là. Oui, promis, Norbert, je n'avais déjà plus l'intention de lui adresser la parole, alors. Bon. Bon, ben, je vais aller régler une histoire de bain à l'eau. Okidoki, mi ciao. Bien, dis donc, il met du soin, notre président. Hein? Et qu'est-ce que tu veux, il a dû se faire avoir. Hein? En tout cas, nous, on a une fille moins draguée, là. Ouais, de toute façon, je n'avais plus aucune chance. Bah, moi, je vais quand même tenter les coups. Hein? Il faut que je comprenne pourquoi elle a fait craquer le président. Hein? Tiens, vous êtes là, vous? Non! Je ne suis plus là! Je m'en vais! Excusez-moi. Bon, moi, je vais y aller aussi parce qu'il faut que je prépare les textes pour le cours de comédie, et puis... Quoi? Vous donnez des cours de comédie? Oui, pourquoi? Oh non, parce que figurez-vous que Pierrot voulait absolument me placer dans une série télé à la rentrée. Mais bon, il voulait quand même que je prenne quelques cours de comédie avant pour pas avoir l'air trop idiote.
C'est qui, Pierrot? Mais votre président, c'est un ami. Il me place partout. C'est fou ce qu'il a comme relation. Bon, si vous voulez prendre des cours... Ah oui! On commence quand? Bah demain, si vous voulez. Oh, génial! Je vais aller appeler Pierrot pour le lui dire. D'accord. Là, il faut que j'y aille, hein. À plus tard. Ok, à plus tard. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Oh, mais oui, volontiers. Mais avec de l'alcool, parce que j'en ai vraiment besoin pour me remonter. Non, 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 cet épisode de Bungalow aujourd'hui, ça m'a complètement épuisée. Puis votre ami là-bas, le grand, mais il a été odieux avec moi. Mon? Oh non, il a fait une horreur de personne, c'est tout. Vous croyez vraiment? Ah ben, je suis sûr, il est tout désolé. Il adore votre chanson. Ah bon? Vous savez. Ah bon? Alors, je lui pardonne. C'est pas du tout mon genre, hein. Je suis pas une fille facile. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir, mon... Justement, tu tombes bien. Alice, elle te pardonne. Ah bon? Vous me pardonnez de m'avoir giflé? Je vous remercie, Alice. Ben, tu peux la tutoyer, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Alice? Oh, d'accord, Tom, t'as raison. On fait comme à la télé dans le showbiz. On se dit tu et on s'embrasse tout le temps. Hein? Bon, ben, on peut s'asseoir, alors? Ah oui, oui, si vous voulez. Surtout que moi, je mange pas ce soir. Ah bon? Ah bah non, oh, Tom m'a pesé et... Tu l'as pesé? Ah oui, 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 oui. Et puis alors je me suis aperçue que j'avais pris 500 grammes de trop. Non mais vous vous rendez compte, c'est affreux. Moi j'ai envie de garder ma ligne mannequin. Ah bah ouais, pour ton boulot, c'est ça? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est oui. Non, 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 et puis surtout, Pierrot, il détend, ça fait gros. Salut Bob, ça, hein? Salut tout le monde. Ben Bob, ça n'a pas l'air d'aller, hein? C'est la musculation sur la plage, ça m'a un peu fatigué, tu comprends? Remarque, ça valait le coup, hein? J'ai marqué des points. Evelyne était drôlement fière de moi. Elle compte même sur moi pour que je m'occupe d'elle ce soir. Ah, mais ben c'est génial, Bob! Demain, tu la pèses! Hein? Elle aussi? Ben enfin, non, c'est parce qu'elle a du diabète, elle. Non, là, je suis trop crevé, là. Non, non, là, j'ai tellement de crampes que je pourrais même pas la tenir dans mes bras. Je préfère la laisser en compagnie de Polo, ses deux amis d'enfance. Ils sont connus au lycée sportif, ils se sont rencontrés ici par hasard, c'est parfait. Moi, je vais me coucher, j'en peux plus. Thank you.